En quoi est-ce que vous pourriez dire à un confrère qu'il est plutôt bien pensé pour vous par rapport à votre métier? Parce qu'il est clair et simple, c'est-à-dire que vous avez des items, des onglets qui apparaissent, et c'est simple à comprendre, il n'y a pas de terme bien spécifique ou un peu particulier, ou c'est tout est clair. Quand vous ouvrez Vega, vous avez donc plusieurs onglets de menu, et effectivement, bon, bah, il n'y a pas, c'est très clair à. Ergonomiquement parlant, quand vous êtes sur votre fiche de traitement ou votre listing de patients, tous vos patients apparaissent et après vous n'avez plus qu'à cliquer sur le nom du patient si vous avez des choses à faire sur son dossier et là tout apparaît sur votre ordinateur. Le menu de Vega est simple, il n'y a pas. Avec des termes simples, avec voilà, une visibilité simple et claire. On a la possibilité de tout rentrer entre guillemets à la main, ou alors d'utiliser les propositions du logiciel quant aux cotations, qu'on peut aussi nous-mêmes recréer nos cotations, enfin pas nos cotations à nous, mais si on a l'habitude de faire tel ou tel libellé par exemple, on peut aller chercher dans des listes ce qu'on a l'habitude d'utiliser, et à partir de là, il y a un clic pour la lecture de la carte, un clic pour la sélection du traitement, un clic pour la sélection du médecin prescripteur, et puis on valide. Si j'en ai oublié un ou deux, on est à moins de 10 clics pour la création d'un patient, d'un traitement classique.